commence, ça filme. Oui, je vois. T'es prête? Oui, mademoiselle. Mademoiselle. Bonjour tout le monde, c'est Sixies avec Tona. C'est elle, Tona. Alors aujourd'hui... Mais arrête de répéter. Oui, d'accord. Pour la vidéo d'aujourd'hui, en fait, on va faire un tag, c'est le sibling tag en anglais, donc on va faire le tag des sœurs. Et on va se poser des questions. Je vais te montrer les questions, je vais dire genre c'est qui la plus vieille, décrit l'autre en 3 mots, tout ça, tu vois. Oui, je vois. Ouais. Oui. Ok, alors... Alors on va commencer, qui est la plus vieille de nous? C'est qui la plus vieille? La plus jeune. La plus jeune c'est moi, ouais. La plus vieille c'est toi. J'ai quel âge? 26. C'est vrai, j'ai 26 ans, je vais avoir 27 ans bientôt. Ouais. Et elle, elle a 16 ans, elle va avoir 17 ans. Le 30 juin 2001. Oui c'est ça, elle est née le 30 juin de l'année 2001. C'est mon petit bébé. Voilà. Et la personnalité, t'aimes bien quoi chez moi? Ça veut dire quoi? Genre comment je suis gentille, je suis marrante. T'es très très gentille. Ouais. Et t'es très marrant. Je ouais. suis marrante. Moi ce que j'aime bien chez ma petite sœur, qui est ma sœur préférée d'avant. Ouais, mais c'est vrai. J'aime bien, elle est marrante, elle prend soin des gens. Elle cuisine des trucs que même si elle, elle aime pas, et bah elle cuisine pour les autres, ça j'aime bien. Oui, je fais des feuilles de thé, je fais des gâteaux. Et c'est bon en plus hein, ce qu'elle fait. Hein. Oui, je fais des gâteaux à la pistache. Ouais. J'essaye de faire des crêpes. J'essaye de faire plein de choses. Ouais, bah j'aime bien moi quand tu cuisines. Oh, c'est très gentil. Ouais. Elle est marrante. C'est mon portrait craché en fait. Je sais pas si vous voyez bien. Là, tu regardes. Et bah, on se ressemble. Elle a 10 ans, moi. Donc, moi, c'est moi, mais en 10 ans plus jeune. Et en version congolaise. C'est ça. Elle est. On est français. On a la même mère, on n'a pas le même père. Notre mère, elle est franco-espagnole. Son père à elle, il est de Congo-Brazzaville, c'est ça? Oui. Et mon père à moi, il est de Martinique. Voilà. Ouais. C'est moi, mais en version congolaise. Congolais. Ouais, non mais j'ai mon petit machin parce que j'ai pas de mémoire en ce moment, c'est un truc de fou. Décris l'autre en 3 mots. L'autre, ça veut dire? Bah, c'est moi l'autre, ça veut dire quoi? Je sais pas moi. T'es réservée aussi? Oui. Comme moi? Oui. C'est sûr? Il y a trop de trucs. Bah, en 3 mots, genre, je suis réservée? Oui. Je suis quoi d'autre? T'es aussi un peu timide? Ouais. Et puis après? C'est mon tour. Alors, Tona, elle est gentille. Oui. Elle est très, comment dire, coquette. Et genre, tu mets des maquillages, tu prends soin de toi, tout ça. Oui, je suis aussi réservée. Ouais. Elle est réservée, oui, elle est sage, ça fait 4 mots, mais... Enfin, elle est sage quand elle veut. Ah bah, c'est une ado quoi. C'est, il faut montrer, qui a écrit là sur ma liste, une photo de nous quand on était petite, quand on était plus jeune. Est-ce que je vais avoir ça dans mon machin? Ah j'en ai une là. C'est moi où je faisais un peu la folle. Je sais pas si on va bien voir. On est à côté de la fenêtre là, c'est un peu... Voilà, une. Oh, le truc avec les... J'ai serré de mettre focus. Voilà. J'ai ça, c'est elle bien sûr là. Et ça c'est moi. Ouais, c'est sûr. Voilà. Elle avait, je sais pas quel âge elle avait là, elle était tout bébé. Regarde comment elle est trop mignonne. Ouais, elle est trop mignonne. Même trop. Regarde! Ah! T'as vu? J'ai changé depuis. Bah oui, il y a la différence. Hein. C'est sûr. C'est quoi ta chose préférée? Mes choses préférées? Ouais. Déjà. Sur moi. Sur toi? Bah oui. Tes choses préférées? Déjà, tes tatouages? Ouais. Tes nattes. Et c'est continué. Et la troisième chose. C'est pas obligé que ça serait trop. Hein. Genre un truc, si tu devais dire un truc que tu préfères, ça serait quoi? Sur toi? Ouais. L'anglais. L'espagnol. La langue? Ouais. Qu'est-ce que je préfère chez mademoiselle? Elle rigole tout le temps, elle est tout le temps de bonne humeur, elle est très optimiste comme sa sœur. Oui, ouais. Continue. Ah mais tu veux plusieurs compliments, espèce de coquille. Continue. Et on a dit un truc favori, on se calme. Ah d'accord, ok. Et là, le prochain, c'est qu'est-ce qu'on a en commun? On a quoi en commun? Déjà la peau.
Ah bah oui, on est métisses toutes les deux. Vas-y, continue. Sur les deux. J'ai soif, si t'as soif, hein, tu bois. Ah oui, je bois. On boit tout le temps. Aussi. Bah il faut, c'est très important l'hydratation. Mon médecin, quand j'étais là-bas, c'était quand il y a un mois, elle m'a dit il faut boire entre 3 et 4 litres d'eau par jour. Moi je bois tout le temps, je bois la nuit alors. Pardon? Ah la nuit, bah faut boire hein, quand t'as soif. Et quoi donc, qu'est-ce qu'on a en commun? Genre la personnalité, qu'est-ce qu'on a en commun? On a déjà dit les tatouages. T'as pas de tatouage, t'es mineure, t'as pas le droit de tatouage là, oh. J'ai dit, peut-être j'en aurais, mais pas tout de suite. Je sais déjà ce que je vais me faire. Oui, bah prends ton temps. Hein? Le tatouage, si vous me regardez que vous avez en dessous de 18 ans, ou faut attendre à avoir 18 ans, en fait, pour vous faire des tatouages. Mm-hmm. Et prenez votre temps pour savoir ce que vous allez faire, parce que bah, forcément, c'est à vie, donc faut bien réfléchir. Qu'est-ce que je disais, Théa? Ah bah, je me souviens, puis on passe. Ah, les tatouages passe. Ah, si. Ah oui, j'ai dit que je me ferais un dauphin, ouais. un hibou, avec ouais. Une fleur aussi. Mm-hmm. Ça pourrait être joli, ça. Ouais, ça pourrait. Est-ce que là sur les bras? Pas que sur les bras, mais on verra ça. Pas sur ouais, les bras. Ouais, on a le temps, comme j'ai dit. Oui. Après. Tu te regardes pas là, hein, tu te regardes quand... là. Quand j'aurai 18 ans, ouais. Comme l'année prochaine, déjà faut que je cherche où me faire tatouer. Oui, et on verra par la suite. Voilà. Quand on aura plus d'économies aussi. Il faut un travail. Voilà. Et ça, c'est pas discutable. Ah non, à la raison, c'est pas discutable. Qu'est-ce que je peux faire? Que moi, je sais pas faire. Espace vert. Ouais, genre le jardinage, tu sais ça? Oui, oui. Moi, je jardine pas. Je mets des fleurs dans un pot, enfin dans un vase avec de l'eau et c'est tout. Et cuisine aussi, moi, je sais pas trop faire les recettes, tout ça. Bah, je t'apprendrai. Voilà, elle va m'apprendre. Bah oui, il faut faire. C'est pas que grande sœur d'apprendre. À moi, qu'est-ce que je sais faire que Tona sait pas faire? Je sais pas. Franchement, je n'en ai aucune idée. Oui. Non, je sais pas, mais que tu me regardes. Est-ce que vous avez un surnom pour... c'est la prochaine question. Est-ce que vous avez un surnom? Est-ce que tu as un surnom pour moi? C'est quoi? Margot. Margot, oui, c'est la seule qui m'appelle Margot. C'est la seule qui a le droit d'ailleurs. Bah, c'est vrai. L'autre, peut-être pas trop. Non, c'est mon troisième prénom que j'aime pas trop. Ça commence par un R. Voilà, ça commence par un R. On dit pas, chute. Et son nom, son surnom en fait, c'est Nana. Je me souviens quand elle était petite. Parce qu'elle n'arrivait pas à dire son prénom quand elle était petite, elle disait Nana. Enfin, quand elle est petite, genre un bébé, elle disait Nana. Voilà. Ouais. Ou la môme, la naine aussi, on appelle la naine parce que c'est la plus petite. Ouais. Qui est celle qui a plus de chances de devenir comme votre mère? À ton avis, c'est qui? Qui a plus de chances, qui risque de devenir comme maman, genre une personnalité, tout ça? Ton avis, c'est qui de nous deux? De nous deux? Mmh. Peut-être toi? J'avoue, elle a raison. Mmh. Je suis au début, je dis, ah non, moi je vais pas devenir comme ma mère, mais en fait, si. Ouais. Le même travail, enfin même pour ça, ma mère c'est un peu une commère. Ouais. Ouais. Mais toi aussi, elle me suit qu'elle, c'est moi plus dans 10 ans, et moi après que ça sera ma mère, mais toi aussi tu vas me suivre, c'est sûr. Alors ça, je pense que tu vas aimer cette question. Ouais, je t'écoute. Quelle est ta série préférée? Voyante. À part Clem. Ah, Vampire Diaries. Ouais. Vampire Diaries. Mais t'as bien dit la première fois? Non, c'est parce qu'il y a Vampire Diaries, il y a Vampire Diaries. Non, Vampire Diaries, ça n'existait pas. Ça. C'est pas grave, laisse. Ça, c'est Originals. The Originals, mais c'est pas Diaries. Mais je suis trompée. Voilà. Et. T'en approches pas, on te voit pas. Pourquoi j'ai Belle? Twilight, c'est ton film préféré? Oui, Twilight. Et Violetta. Violetta de Martina Stossel, c'est pas mal. Alors moi, ma série préférée, c'est... Mais j'ai pas vraiment trop de séries préférées en ce moment. J'aime bien La Casa des Papel. C'était trop bien. C'est quoi? C'est une série... Mais t'as rien de regarder mes décolletés. Regarde mon décolleté. Donc La Casa des Papel que j'aime bien. J'aime bien Jane the Virgin. iZombie aussi que j'aime bien. Mm-hmm.
Et qu'est-ce que je regarde? En ce moment, je regarde The Punisher parce que Ben Barnes est dedans. Je te remonte une photo de Ben Barnes, c'est pas mal. C'est très chou. Voilà. Et en film, j'aime bien. Mon film préféré, c'est Carrie, la version de 2002. Et sinon, j'ai pas vraiment trop de films préférés. J'ai un genre de film préféré, c'est les films d'horreur. Ouais. Et qui est la plus têtue des deux? Qui est la plus têtue? Je vois pas là. Elle dit ça parce que c'est elle la plus têtue. Mais si c'est toi la plus têtue. Elle va rougir. Alors attention, la prochaine c'est qui c'est en célébrité, en star sur laquelle vous avez le béga? Moi je veux dire, je crois son star à part M. Pokora, ça va être Agustin Galeana. Oui, c'est vrai. Il est canon, hein. Pas Et tort. en plus, il est espagnol. Pas tort. Il est pas mal. C'est quoi ton plat préféré? Mon plat? Ouais, ton plat préféré, c'est quoi? Les feuilletés, c'est super Les bon. fouettés de... Avec quoi? Les feuilletés? Ouais. Tu mets de la crème fraîche, tu mets la crème fraîche, tu mets du gruyère, tu mets du jambon. Aussi, les gens Ah, ils c'est aiment avec pas, ils peuvent le Mermet. faire aussi au fromage jambon. Voilà, petit tuto cuisine de Mademoiselle Tona. Et moi, mon plat préféré, c'est la paella. La paella de mamie, Oui, parce que... c'est super bon aussi. Mais tu manges pas de paella, de quoi tu parles, Si, toi? avec le riz, le chorizo, tu te rappelles pas? Mais c'est pas vrai, non, je mange pas beaucoup, elle mange Non. pas. La caméra vient de s'éteindre, on recommence. Non, je fais là. Donc on était au fait quand ça s'est coupé. Le plat préféré de elle, c'est les feuilletés. Mon plat préféré à moi, c'est la paella de ma mamie. Et on a Ok. presque fini en fait. Qui est la plus bordélique? Ah, c'est moi. Oui, Et toi, madame ne range pas sa chambre. Je vais vous montrer vite fait après. Ouais, oui. Il faut la ranger, hein. Ah Et faire l'aspirateur, tout ça, changer les draps. Elle dit oui, genre vas-y, continue de parler, ça rentre par là et ça ressort par là. Ta gosse. Et dernière question, qui est la plus feignante des deux? je sais pas. Seigneur. Un peu. Moi, plaît. Ouais. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, le tag des sœurs, le sister tag. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, vous savez quoi faire. Et on va faire en fait quelques autres vidéos ensemble. On va faire une vidéo avec de la musique. Oui. Et on va faire une vidéo où elle va me maquiller. Ouais. Et où je vais la maquiller aussi. Voilà, on vous retrouve pour ces vidéos. Je vais les mettre quand elles seront filmées. Cette vidéo, elle va sortir en premier en fait. C'est quand les deux autres seront filmées. Je les mettrai dans la barre de description pour que vous puissiez aller les voir. Et on vous voit très vite. Salut les Sensitos!